C'est de continuer à travailler, à construire notre jeu qui a besoin d'évoluer dans les contenus. Donc aujourd'hui, on s'est repositionné sur le résultat, mais on sait aussi qu'il reste encore beaucoup de travail dans ces contenus. Effectivement, un match comme Toulon vient à point pour justement se situer par rapport à une des belles équipes de ce championnat cette année. Le classement n'est qu'une conséquence, donc on ne travaille pas sur la conséquence, on essaye de travailler sur les causes, à savoir mettre en place ces contenus. Si on le fait bien, le résultat vient. Donc c'est pour ça que je préfère que l'on se concentre sur la mise en place d'un jeu qui peut contrarier Toulon que plutôt sur une idée de classement qui est pour moi une fausse motivation. Je crois qu'on a amélioré un petit peu partout au niveau de notre conquête en continuité. On sait que Toulon va nous proposer avec leurs individualités aussi au niveau de la défense des situations difficiles. Ils ont la capacité à breaker des joueurs qui ont cette capacité ensuite dans les enchaînements. Donc il faudra qu'en défense on soit très vigilant et dans notre utilisation arriver à mettre un peu plus de continuité. Un entraîneur cherche à jouer sur la pression positive, à savoir la pression du jeu. Donc je crois qu'il faut toujours de la pression, mais la transformer en pression positive. Donc la pression est toujours présente dans un match de rugby. Quand il n'y a pas de pression, c'est qu'il n'y a pas de match, où on n'est pas dans le match, donc on va chercher cette pression positive pour effectivement être présent au rendez-vous. On sait que ce sera forcément un match particulier, Toulon, belle équipe qui tourne bien en ce moment, Mayol qui sera chaud. Donc on va chercher justement à être présent à ce rendez-vous. Avait la possibilité de partir avec ces nouveaux cycles de matchs coupures. Donc on a profité de cette coupure pour laisser récupérer les joueurs et puis redémarrer un peu plus tôt la préparation du match et aller la faire à Toulon.